Samedi 13 janvier, il est 9h16. Comment allez-vous? Bonjour. On est en route, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Et on va se les geler. On va avoir super froid. Enfin, moi je pense, Christophe il pense pas parce qu'il est surhumain. Mais comme je l'avais dit dans le dernier vlog. Mais moi je pense qu'on va avoir froid puisque la maison elle est toujours toute ouverte. Donc froid, froid, froid. Et je pensais à ça depuis quelques jours. Vous allez trop croire que je suis une pouilleuse et que je m'habille tout le temps pareil. Et ceci dit, Chris aussi. Mais sachez qu'on profite de la semaine pour laver ces petites choses. D'accord? Donc on n'est pas des pouilleux. Sachez-le. Mais en fait, j'ai une autre veste. Comment ça s'appelle? Une polaire. Et elle est juste dans le méandre de mes cartons. Donc je ne sais pas où elle est en fait. Donc. Je la retrouverai à la fin des travaux, c'est bien, ce sera pratique. Voilà, c'est quoi le programme du jour? Gravat. Gravat, gravat, gravat. T'as fait quoi hier, mon chéri, hier après? Ah, ce serait compliqué à expliquer. Non, mais les trois choses, les trois petites choses. Ah, mais j'ai dégagé les encadreurs des fenêtres. Je pense qu'on t'entend pas. J'ai dégagé les encadreurs des fenêtres! Quoi? J'entends pas, il y a du vent! Il a dégagé les encadrures des fenêtres. Si vous n'aviez pas entendu. En fait, comment vous expliquez? Donc, c'est une année. Une maison des années 1920, comme je vous le disais. Qui dit 1920 dit très très vieux. Voilà. Les pauvres gens qui regardent cette vidéo et qui datent des années 1920. C'est trop tôt. Ouais, il n'y a personne des années 1920 qui regarde cette vidéo. Et donc du coup elle est un peu dans un sale état et notamment il faut reprendre toutes les encadrures des fenêtres, je vous montrerai. Donc il faut au marteau et au burin casser tout le tour et après on refera de la maçonnerie pour que les fenêtres puissent bien venir se plaquer dessus ainsi que le placo, si j'ai bien compris. Voilà, bon je vous retrouve à la maison. Alors voilà comment est une encadrure de fenêtre à la base, donc le contour est tout dégueu. Et hier, donc il n'avait pas d'escabeau, c'est pour ça qu'il n'a pas fait le haut. Christophe a donc dégagé tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tu viens expliquer après du coup, l'histoire des fenêtres qui se plaquent, je sais pas quoi. Vas-y, dis-nous tout. Arrête. Tu sais que ça passera ça. Ah tu oui. Assumeras après. C'est pas grave, sinon je les regarde pas. Alors. Les fenêtres, ce sont des fenêtres qui se posent en applique, c'est-à-dire plus fort. Le cadre de la fenêtre va venir se mettre ici même. Voilà. Répète si tu veux. Plus fort. Ici même, donc du coup sur tout le tour de la fenêtre. Voilà. Et donc pour ça, on va faire un petit peu de maçonnerie. On va reprendre les encadreurs en faisant une surface bien plane. Voilà, pour que le menuisier puisse venir plaquer ses fenêtres avec un joint d'étanchéité de manière à ce que l'intérieur de la maison soit complètement étanche. Alors, respectant les normes RT 2012, comme vous pouvez des fois en entendre parler. Alors, voilà. Moi, je voudrais faire un zoom sur tes mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, d'après mon patron, je suis un caramel. C'est-à-dire que je mets pas des gants au bon moment. Donc, du coup, je me suis fait des petits poinçons à un endroit en faisant marteau burin. Et ici, je me suis fait une petite coupure. Oh. Mais bon, c'est pas grave, maintenant, je protège, je mets des gants. Ici, je me suis brûlé, en fait. J'ai joué avec une râpe. Et en fait, je me suis râpé le doigt. Il a fait des carottes râpées. Voilà. Bon, c'est comme ça, ça arrive, c'est le bricolage. Moi aussi, j'ai fait des bobos, mais on les voit plus, ils ont cicatrisé. Il y en a un là. T'es vacciné contre le tétanos? Il y en a un là, mais on les voit pas. On les voit pas, on croit pas que je me fais des bobos. Non, toi, tu te fais pas de bobos, tu mets des gants. Si, je me fais des bobos. Faut que je ramasse ça, moi, du coup, parce que monsieur Sally et madame nettoient. Eh oui. C'est ça. Bon, et mon job de ce matin, c'est de nettoyer les gravats que j'ai fait le week-end dernier. Et les gravats que j'ai fait ici le week-end dernier. Il est pas trop beau notre mur. Je le kiffe, il est trop, trop beau. Je vous l'avais montré sur Instagram. J'en suis trop amoureuse. Bon, et coulou. Et voilà, il est 10h tout rond. J'ai terminé. Donc là, pour vous donner une petite idée, nous sommes en bas, nous sommes dans le salon. Là, en fait, il y aura un poêle. Donc là, ça va être le bonheur. A priori, on ne sait pas encore, mais ici, il y aura la télé. Et ici, notre canapé. Et là, derrière, l'escalier qui montera et qu'en fait, on va déplacer. Voilà, je suis désolée pour le bruit, mais comme il n'y a pas de fenêtre encore, et ben,
Et bien forcément, on entend toutes les voitures. Et maintenant, je vais nettoyer le haut parce que Christophe, il fait des saletés. Tu manies mieux le marteau et le burin que moi quand même. Ah ouais? Ouais, vas-y montre. Demonstration. Avec Philippe Risoli. Wouh! Allez, vas-y montre comment on fait. Mais j'ai plus rien à faire moi. Ah mince. Coucou. Oh la musique déprimante. Pour me dire qui je suis venu. Faut dire qu'il pleut quoi, tant dégueu. Ça va avec le thème. Bref, il est 10h30. Laisse-moi ma musique. Ah, t'es fou quoi. Il est 10h30 et devinez ce qu'on fait. Devinez, grosse devinette. Un truc qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, mais qu'on aime bien faire. On va à la déchetterie. J'ai rempli tous les seaux avec tout ce que je vous ai montré de gravats et tout. Il lui reste le haut des deux fenêtres du bureau à faire et après toutes les fenêtres du bas à dégager. Pas mal quand même. J'y suis jaune. C'est la lumière de la pluie. La lumière de la pluie. 14h35. Il fait 17 degrés. C'est à le pied quoi. Franchement. C'est à le pied. C'est... Le temps est un peu fou en fait. Parce que ce matin, honnêtement, j'ai eu froid. Il pleuvait d'eau. Et là, pouf, coup de mistral. Il fait trop beau. Qui de vous? Je suis même obligée de plisser les yeux tellement il y a du soleil. Plisse les yeux. C'est ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Cet après-midi, Chris, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Une saignée dans le bitume, un raccordement d'eau pour emmener l'eau du compteur à la maison. Et moi, je fais frotti-frotta sur les fenêtres. La même brosse métallique que pour laisser infructueux des grilles, là. Bah, cette fois-ci, ce sera fructueux sur les fenêtres pour bien ce que je vous ai montré en fait qu'il a fait hier et ce matin. Moi, je vais bien dénuder la pierre en fait, bien nettoyer tout ça pour qu'ensuite l'enduit puisse venir se placer dessus quoi. Voilà, hyper passionnant, hyper rapide et hyper efficace. Le truc chiant en fait qui est nécessaire à ce qu'on va faire plus tard, mais qui va prendre énormément de temps et voilà quoi. Donc, tous les trucs chiants, c'est toi qui les fais de toute façon. C'est ça, donc du coup, bon, c'est pas ouf quoi, je vais pas passer une après-midi de fou, mais il faut le faire. Voilà, tant pis pour moi. Tu l'as voulu. Tu l'as voulu ta maison abîmée, hein, tu l'as voulu. Et ben tu l'as eu, oui. Bref. 17h20, mon mec sort l'artillerie lourde. Montre-moi ce truc. J'ai failli lire une connerie, mais ouais. C'est une grosse mèche en 40. Donc l'idée, c'est de percer dans la cave. Donc là, je suis dans la cave, en fait. L'idée, c'est de percer dans la cave pour pouvoir amener l'eau directement à côté du ballon d'eau chaude. Donc l'eau, elle va partir de tout là-bas et elle va venir jusqu'ici. Voilà. Et ça, tu me le conseilles si j'ai les oreilles bouchées? Ça te débouche les oreilles, ça. Nickel. Voilà, donc là on a creusé toute cette tranchée. Est-ce que je peux vous montrer le bazar que nous a fait Christophe là? On n'a rien de temps dans le jardin. Non mais sérieux? Un marteau piqueur avec dispositif. Oh là là, et on a encore sorti de la souche mon pauvre. Voilà. Donc là le boulot qu'il a fait et après à la fin je l'ai aidé, c'est de faire une tranchée. Donc moi j'ai fait ça là avec la pioche. Et lui, ensuite, il a pris la disqueuse et... Dans le béton. Dans le béton. Laisse béton. Et après, je sais pas où il est l'outil à ranger.
avec un espèce de mini marteau-piqueur. Il a tout cassé. Ce sont pas les gros marteau-piqueurs de... Tu traites pas le marteau-piqueur du travail de mini quand même. Et du coup, moi j'ai rempli trois seaux comme ça. Et l'autre il est ailleurs. Voilà. J'ai un péplou. Chérie, est-ce qu'on est fier du travail accompli aujourd'hui? Moi oui. On va dire que ça avance. Ouais. J'ai fini toutes les fenêtres, toutes les encadrures des fenêtres du haut, elles sont toutes bien. Bientôt il y aura un robinet dans la maison. Et oui. Donc là il est 17h30, 17h45, on va remballer, on va arrêter. On se retrouve demain, on vous fait des bisous. Fais des bisous, fais des coucous. Dimanche 14 février, bonne Saint-Valentin. Et devinez où on est à la déchetterie. Nous on est du genre romantique en fait, c'est pour ça. Donc on fait ça comme il faut. Hein. On va la déchetterie en amoureux. En amoureux. Nous sommes donc dimanche 14 février, jour des amoureux. Il est 9h15, on vient juste de passer à la déchetterie comme vous l'avez vu. Pour vider les gravats de la veille. En fait, on est rythmé. Notre travail est relativement rythmé par rapport aux horaires de la déchetterie, en fait. Voilà. Et... Ah oui, j'avais quelque chose à vous dire. Alors, attendez, j'ai mon petit post-it. Hier, j'ai publié... Enfin, hier, vous verrez cette vidéo plus tard. Mais donc, samedi soir, j'ai publié une vidéo... Un vlog de chantier relativement tard parce que ça c'est les joies d'habiter à la campagne et dedans on vous demandait quel était le métier de monsieur. On vous avait dit qu'il y avait des indices mais rien de bien précis, je ne me rappelle plus où c'était. Donc il y a eu plusieurs réponses et à l'heure où je filme cette petite séquence il n'y a eu aucune bonne réponse. Donc je suis allée regarder pour vous. Sachez qu'il y a un premier indice dans le vlog numéro 1 à 7 minutes 22. Precisions. Précisément. Et il y a deux autres indices dans le vlog numéro 4, donc celui que j'ai publié juste avant celui où je vous pose la question. Je ne sais pas si vous suivez, mais bon. Donc vlog numéro 4, il y a un premier indice à 2 minutes 10 et un deuxième indice à 2 minutes 40. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour bien répondre. Et j'espère que je ne vous fais pas trop peur. Moi, je suis tout rien en fait. Hier, j'ai senti le grand jeu, j'étais hyper maquillée, même j'avais du rouge à lèvres, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et là, aujourd'hui. C'est dimanche quoi. En mode cadavre. T'as fait des gestes bien. Oui. T'as fait des gestes bien. J'ai fait des gestes bien. Oh non, t'as fait des gestes bien en ma présence. Aïe aïe aïe. Donc, programme du matin. En fait, du coup, ah ouais, il y avait des questions super intéressantes, mais ça on répondra le week-end prochain parce que là je pense que le vlog va être assez long. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est généralement le matin dans la voiture ou même après manger, l'après-midi dans la voiture, on se fait un petit peu un planning de ce qu'on va faire dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc là, on en a discuté, en fait on va creuser, on fait ça ou on fait la cave? Ah, on hésite. Il y a deux choses. Il y a creuser la tranchée en fait pour... faire venir l'eau dans la maison puisque le compteur d'eau est à l'extérieur. Vous avez vu la tranchée que j'ai faite hier, enfin qu'on a fait. Ah, il est pour beaucoup quand même. Donc on a fait hier. Et l'autre étape c'est de nettoyer la cave. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on a une cave dans cette maison de 12 mètres carrés. Et on est trop content. On va faire quoi dans cette cave, chérie? On va l'aménager, ça va être trop beau. En fait, tout le monde a une idée sur cette cave. Genre, ça pourrait être un dressing, ça pourrait être une chambre, parce qu'il y aura quand même une toute petite fenêtre dedans. Ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Enfin bref, nous, on a plein d'idées. On vous en parlera au fur et à mesure où ce sera réalisable. Mais là, la première étape, c'est juste de la nettoyer parce qu'il y a plein de saletés dedans. C'est l'horreur. Voilà. C'est quoi ça, Christophe? C'est feu à un tableau électrique. C'est notre tableau électrique, oh là là. Je sais pas ce qu'il protégeait. Hein. Il est aux normes ou pas? Absolument, tout à fait. Ouais, on le garde. Là en fait c'est protection contre les comment ça s'appelle? Voilà. En gros on peut pas toucher le cuivre.
Donc du coup c'est bon, bonne protection, on peut pas s'électrocuter là. Voilà. Puis les fusibles comme ça là, l'ancien bébé. Franchement c'est maintenant ça commence à être compliqué d'en trouver. Hein. Non c'est de la bombe. De la bebombe. On le garde. On le garde. Devinez où on est. Dans notre deuxième maison. Mais. Moi je suis fatiguée alors je laisse faire et moi je fais genre je filme, tu vois. Mmh. Hashtag comme d'habitude. Ne trop pas. Hashtag trop pas. Oh là là, oh là là. Bon allez, je coupe, j'y retourne. Et voilà le travail. Donc du coup on a fait le raccordement en eau de la gaine bleue. Une grosse tranchée. On en a profité pour faire le raccordement avec la canne rouge en TPC là, pour amener de l'électricité dans le garage. Voilà, donc ça sera pour plus tard. Hop. Et puis bon là j'ai déjà enseveli, mais voilà, donc ça passe par là, ça passe par là, ça passe par là, ça passe par là, et ça va jusque là-bas. Voilà, voilà. Donc maintenant tout est branché, on a testé, il y a de l'eau. Oh là là, je fais cadavre, Eric. Oh. Bon ben voilà, il est 18h presque et on remballe. En train de rentrer, moi je suis contente, je sais pas, ça va, c'est cool. Peut-être que la semaine prochaine, on le dit ou pas? J'adore créer des plans dedans, me foutre des vents, c'est ça en fait. J'hallucine quoi. Tu veux qu'on dise quoi pour j'adore la créer du suspense. Et bah, peut-être que la semaine prochaine il va se passer des trucs. Un non, peu visible. Bon, on dit pas, on verra. Suspense, peut-être. On sait pas encore. Faut qu'on bosse sur des trucs demain. Néanmoins, je sais pas ce que vous avez filmé, Christophe. Je le verrai au montage. Il y a de l'eau dans la cave. Enfin, de manière positive, c'est-à-dire qu'on a un robinet d'eau dans la cave. Il y a branché un jet d'eau. Ouais. Un arrosoir, quoi. Ouais. Non, on a un vrai robinet, quoi. On progresse, on monte en gamme, quoi. C'est-à-dire que là, on est passé de confort moins 1000, voilà, à confort moins 999. Nickel. Pour toi, juste de l'eau, c'est 500 de points de confort. Ah bah, tu peux se rincer, quoi. C'est vrai que là, à partir de bientôt, on va pouvoir prendre une douche froide. Et on va pouvoir prendre une douche. C'est ça. Il en a profité pour tirer des gaines pour l'électricité. Moi, j'ai tout javelisé dans la cave pour être sûr qu'il n'y ait pas de microbes ni rien. Et voilà, donc moi je suis contente. En plus, je ne vous ai pas raconté, mais donc cet après, mes parents sont passés, donc c'était cool, on a discuté, machin. Ma mère, elle a toujours plein de bonnes idées, donc ça m'a donné plein de pistes pour aménager la cuisine et le salon. Et surtout, c'est quand? C'est samedi matin. Pourquoi tu rigoles? Je peux embrayer sur quelque chose. Vas-y. De bonnes ou de mauvaises idées aussi. Comme tout le monde. Ben, on verra ce que ça donne, on ne sait pas. Et samedi, je sais plus si c'est matin ou en début d'après, je crois que c'est en début d'après, nous sommes allés chez les voisins, ceux qui avaient râlé pour le bruit au début, mais ils sont quand même très sympas, à part le bruit qu'on avait fait quand même un dimanche matin. Et on a bu le thé, on a bu le café et tout, on a visité chez eux et je sais pas, ça m'a donné encore plus envie d'aller vite chez moi et de pouvoir aménager, ça m'a vraiment donné trop envie. Et surtout que les deux maisons sont de la même année en fait, ils sont de 1920. Donc du coup voilà. Et je voulais faire un petit peu de sentimentalisme, mon chéri. Saint-Valentin oblige. C'est que Saint-Valentin oblige, mais c'est que surtout. Pourquoi je vais le répéter à chaque fois que je fais une phrase en fait? Mais j'ai l'impression qu'on t'entend pas. Ah, c'est tu pas. Tu parles grave. Pas très fort. Si, on t'entend. On t'entend? Ouais. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, 14 février, ça fait un mois tout pile qu'on a notre maison. Oh! Je vais me mettre à pleurer. Non mais voilà, merde, ça fait quelque chose. Ça me fait un truc, moi. Ça te fait pas un truc? T'es sérieux? Tu dis que ça te fait un truc. Une petite musique lover à ce moment-là, tu vois. Vas-y, fais un regard lover. Je mettrai la musique à ce moment-là. Ça te fait rien? Ouais. Tu sais que je conduis quand même. Hein. Moi, ça me fait quelque chose. Moi, honnêtement, ouais. Entre vous et moi, ça me fait quelque chose. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à très vite pour un nouveau vlog.